Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une salade de légumes cuits à la vapeur. Alors, je vais prendre des carottes, des pommes de terre, du persil haché et des haricots verts. Voilà. Alors, pour la cuisson à la vapeur, je vais utiliser un couscoussier. Bon, moi j'ai un couscoussier parce que je prépare du couscous de temps en temps, j'adore ça. Et c'est très pratique pour faire cuire à la vapeur non seulement les légumes, mais aussi des viandes. Voilà. Alors, je vais couper les légumes en petits morceaux. Pommes de terre, carottes, haricots verts. Voilà. Et une fois que l'eau commence à bouillir, je vais mettre tous les légumes dans la passoire en haut. Et je vais les laisser cuire tranquillement à la vapeur, comme ça. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de couscoussier, c'est pas grave. Vous pouvez avoir n'importe quelle marmite avec une passoire au-dessus et ce sera la même chose. Voilà. Alors pour moi, tout ce qui est cuit à la vapeur est très sain, meilleur pour la santé. C'est très facile à faire comme salade, elle est très très bonne. Et ça cuit vite. En fait, moi, ça m'a pris 10 minutes. Pas plus. 10 minutes de cuisson. Et voilà. Alors, dans un saladier, je vais mettre tous les légumes et je vais les laisser refroidir. Voilà. Pendant ce temps, je vais préparer la vinaigrette. Alors, on aura besoin de 4 grandes cuillères d'huile d'olive, 3 grandes cuillères de vinaigre blanc, le persil haché, du sel, du poivre, bien mélangé, et la vinaigrette est prête. Voilà. On va la rajouter à la salade. On va bien mélanger. Et voilà, c'est prêt. Très bonne comme salade, essayez-la. Bon appétit!